De vous, bien sûr. Vous pouvez vous renseigner via notre Minitel, bien entendu, le 3615 Code France 2, rubrique Les Beaux Matins. Vous avez également l'adresse de l'AFLM, l'Association Française de Lutte contre la Mucoviscidose. C'est la boîte postale 404 75 013 Paris. Et puis pour tout renseignement, vous avez également le 01 40 78 91 91 concernant ces virades. Le 01 40 78 91 91. Merci beaucoup, Dr Foucault, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Florence Saint-Andrichet. Et puis nous aurons l'occasion, donc, tout au long de cette semaine, de revenir largement sur la mucoviscidose et sur les différentes actions qui sont menées pour essayer de combattre cette terrible maladie. Nous allons parler maintenant de musique. Ah, ça change, bien entendu. Nous allons parler de musique avec une jeune femme charmante, qui est belle comme tout, qui a une voix... superbe, il s'agit de Lara Fabian, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous savez comment faire rougir une fille à 10h du matin. Oh, excusez-moi alors, parce que c'est vrai qu'en même temps, ça peut passer mal à la télévision, cela dit, ça vous va très bien. Ça vous va très bien. Très heureux de vous avoir avec nous. L'album, le voici. Lara Fabian, pur. J'allais dire qu'au moins, le mot est clair. Il définit en fait la façon avec laquelle j'ai eu envie d'écrire des textes. C'est certainement pas à mon sujet que j'ai dit un mot comme celui-là, mais c'est vraiment en rapport avec la symbolique en général, la manière avec laquelle j'ai eu envie de parler d'amour, d'homosexualité, de relations humaines médias, enfin, des choses desquelles je parle. Toutes les choses qui font en fait la société d'aujourd'hui, qui font le monde d'aujourd'hui. Oui. Vous êtes une jeune femme bien ancrée, les deux pieds dans le monde qui l'entoure. Ben, c'est une chose qui me paraissait importante. Je suis auteur-compositeur et j'avais pas. Enfin, c'est sûr que l'amour est primordial et puis j'en parle énormément, mais je pense qu'on peut en parler, on peut le décliner à l'infini en parlant de choses qui peuvent pas forcément changer, parce que je pense pas que la musique, le but de la musique, ça soit de changer forcément quelque chose, mais parfois d'écrire comme on peint une toile, ça permet de. Enfin, ça permet de pointer du doigt certaines choses sans s'endoctriner, sans. Et tiens, enfin moi je sais quand j'étais plus jeune, j'écoutais de la musique ou j'écoutais des textes et je me disais tiens, je l'avais pas pensé comme ça, je l'avais pas vu comme ça, c'est vrai, cet auteur n'a pas tort, ou bien ça me faisait changer un peu mes positions sur certaines choses. Et je crois que la musique a la faculté, un artiste a la faculté de faire ça. Ouvrir, élargir à la fois le champ d'investigation et la réflexion de ceux qui écoutent les chansons. Et d'ailleurs, je vous propose de nous replonger dans l'ambiance d'un... titre que nous avons entendu tout cet été, et quelques semaines avant d'ailleurs. Il s'agit de Tout, et puis nous revenons sur vous, permettez-nous. Et puis également nous parlerons de l'an 2000, ce qui devrait vous intéresser aussi avec Rémi Castillo.
Ben bien sûr qu'on va dire nous, et on va le dire tout de suite même. C'est vrai, franchement, qu'on n'a pas envie de dire autre chose hein, après une chanson pareille. C'était Lara Fabian avec tout. Je vous propose, Lara, de faire connaissance avec Sonia Dubois et Rémi Cassio. Bonjour. Vous avez sans doute la rentrée en coulisses avant le début de l'émission. Superbe. Ah oui, on a adoré. Quelle voix. Ah oui, alors. Tiens, c'est peu de le dire. Et puis, vous avez joli cadeau. Et puis, vous êtes né d'un joli métissage, quand même. Oui. Un papa belge, et une maman italienne. Et en fait, la volonté de venir s'installer au Canada. Pourquoi? Parce que vous aviez l'impression de Belgique que le Canada, et plus particulièrement le Québec... C'était l'Amérique. Peut-être d'une certaine manière l'Amérique, et puis qu'ils aimaient mieux encore la chanson française, la chanson francophone. Définitivement, ce sont des gens qui ont un instinct de survie pour cette langue qui est assez spectaculaire, et une industrie du disque très très bien conçue, qui fonctionne vraiment, qui vend des centaines de milliers d'albums, des millions d'albums chaque année, dans leurs 4 millions de gens de francophonie. C'est assez spectaculaire, et j'aimais leur façon de travailler. C'est des gens d'une courtoisie, d'une gentillesse innée, en fait. C'est génétique et sanguin. Vous avez donné votre voix à Esmeralda. Oui. D'ailleurs, vous pourriez même la jouer, Esmeralda, en fait. La comédie, c'est pas quelque chose qui vous titille ? Ah oui, infiniment. C'est quelque chose qui me titille beaucoup, mais plus tard, je pense, chaque chose en son temps. Et puis bon, en plus, je crois que l'archétype de la chanteuse qui veut faire comédienne... Bon, Vous voulez pas tomber dans ce genre de cliché tout de suite ? Disons que j'aimerais effectivement faire du cinéma plus tard, mais je crois que c'est un petit peu tôt pour le faire, parce que face à encore une qui chante et qui veut se teindre en blonde et faire comédienne. Ah non, vous teniez pas en blonde, Lara. Non, je vous préviens tout de suite si vous nous faites ce coup-là. Ça va aller mal, hein, Sonia. Un brun qui aime les brunes. Ceci dit, Lara, moi je pense qu'il n'y a pas d'archétype de la chanteuse qui veut faire comédienne. Il y a des gens qui ont du talent. Oui, oui, voilà. Et au moins aux États-Unis et au Canada, quand on a du talent, on n'est pas étiqueté et on peut tout faire. Oui, effectivement. C'est ça que j'apprécie de ce pays, de leur façon de voir le métier d'artiste, parce que c'est infiniment vaste. C'est qu'on peut développer plusieurs choses en même temps et être apprécié pour les différentes facettes de notre talent. Chose qui ici est un petit peu différente. C'est un peu perçu différemment, en fait. Une jeune femme heureuse, alors ? Oui, oui, très infiniment de ce qui se passe, surtout en ce moment pour la France. C'est facile de gérer, d'ailleurs, ça, un tel engouement garder les pieds sur terre garder les pieds sur terre, certainement, parce que je viens d'un endroit où j'avais pas du tout de succès. Au Canada, l'espace de 5 ans, j'ai vraiment acquis une carrière stable, avec beaucoup, beaucoup de fans, beaucoup, beaucoup de disques, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, les fans ici ont une perception complètement différente de l'artiste. Le fan au Québec et le fan en France, est un fan très, très différent. Et ça, au début, les 2-3 premières choses que je viens de faire, là j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi c'était à ce point, pourquoi les gens étaient, entre guillemets, un peu agressifs, un peu... on sort d'un endroit. Moi, j'ai l'habitude de signer des autographes pendant des heures. Chaque soir, quand je fais un spectacle, après, on met une table, j'ai des cartes, des photos, et je signe des autographes entre une heure et une heure et demie. Ça prend une heure et une heure et demie. Je le fais tous les soirs, je le fais depuis 3 ans. Et donc, je pensais qu'ici, j'aurais pu prendre le temps de le faire, mais je m'aperçois que les gens courent, se jettent un petit peu sur l'artiste. Et j'ai eu du mal, en fait, à gérer ça. Alors c'est la seule grosse différence, énorme différence pour moi, qui m'a paru un petit peu difficile. Mais je crois que si on leur dit, voilà, je vais rester tout le temps qu'il faudra, je vais signer tous les autographes que vous voulez, simplement faisons-le plus... calmement. Voilà. C'est le côté latin, ça. Voilà, et je peux le comprendre parce que je suis de maman italienne, née au pied du volcan, la Sicile en plus. En plus. Donc je compatis avec ce problème d'exubérance totale qu'on peut avoir. Nous allons parler, mais tiens, au Canada, au Québec, on est bien entendu très proche des États-Unis, où le pouvoir de l'argent règne presque en maître, pour ne pas dire totalement en maître. Et c'est justement le thème de la pensée du jour, j'allais dire plus qu'une pensée, de la réflexion philosophique à laquelle va nous mener maintenant Sonia Dubois. Absolument. Alors Lara, Rémi, Olivier, vous qui nous regardez, je me suis dit en ces temps de disette d'impôts, quel est le sujet le plus récurrent de toutes nos conversations quotidiennes ? L'argent. Et plus particulièrement, l'argent contribue-t-il au bonheur ? Alors, il ne faut pas se cacher la face et se dire non, 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 ça c'est faux.
Oui, l'argent contribue au bonheur, dans la mesure où on assume ses besoins dignement et ses besoins légitimes, c'est-à-dire par son travail, gagner de quoi s'acheter une maison, une voiture, surtout pourvoir, pour ceux qui en ont, à l'éducation de ses enfants et aller à la connaissance par le biais d'un loisir qui repose soit l'âme, soit le corps. Ça, ce sont des besoins légitimes. Mais nous sommes en pleine société de surconsommation, où on nous vend et on nous vante à longueur de temps des produits qui ne nous sont pas indispensables comme véritable but absolu de notre vie. Donc on nous vend du rêve ou de la consommation. Ce qui fait que nous avons en ce moment un flou artistique qui règne entre les besoins légitimes que nous apporte l'argent et maintenant les envies d'argent. L'argent est devenu dans notre société non pas un moyen pour l'acquisition, mais la fin ultime de tout, c'est-à-dire la reconnaissance sociale absolue, la monnaie d'échange par laquelle on existe, ce qui fait dire aux Américains, au moment où on s'attend d'eux, comment tu vas, c'est combien tu vaux, mais combien tu vaux en dollars, et nous en sommes au même but. Alors ça devient ahurissant, mais on peut se poser des tas de questions, c'est-à-dire pourquoi ne résiste-t-on plus à l'achat? Pourquoi sommes-nous dans cette course effrénée à avoir toujours de plus en plus de biens matériels? Je pense humblement que nous sommes en train de confondre les buts. Qu'est-ce qu'un homme qui essaie d'accéder au bonheur? C'est un homme qui est en adéquation avec ce qu'il veut faire de sa vie, c'est-à-dire connaître plus la spiritualité, les arts, la connaissance. Qu'est-ce qu'un homme avide d'argent? C'est un homme qui veut une reconnaissance sociale. Il n'a plus de reconnaissance vis-à-vis de soi, il ne s'enrichit plus lui-même, il veut montrer aux autres vers quoi il va. Alors, ce sont presque, si vous voulez, deux plaisirs antinomiques, et le bonheur et l'argent. Et on est arrivé à un point de notre société où l'argent va devenir un écran pour accéder au bonheur. Allez-y, Olivier. Non, je voulais savoir. Donc, en gros, l'argent ferait un peu plus le bonheur aujourd'hui qu'hier ou pas nécessairement? L'argent ferait plus le bonheur aujourd'hui si nous savions quoi en faire utilement. Parce qu'il y a des tas de moyens. Parce que je ne dis pas qu'il faut devenir pauvre. Ce serait une vue de l'esprit totalement folle. Oui, quand on a de l'argent, c'est mieux. Oui, il y a en ce moment en France 4 millions de gens, et ça, faut pas l'oublier, qui sont en deçà du seuil de dignité, c'est-à-dire qui sont au chômage, qui ne sont pas dans la vie active et qui peuvent utiliser leur argent. Sauf que je pense qu'il faut... 4 millions, c'est gigantesque. C'est-à-dire qu'on est en deçà de la phrase de Karl Marx, et sans vouloir faire de politique aucune... Tout homme a droit au bonheur qui ouvrait le capital. Tout homme a droit au travail. Donc on est en deçà de cette chose même. Donc oui, l'argent contribue au bonheur dans la seule manière dans laquelle on s'occupe de l'argent. C'est-à-dire si on va à la connaissance, s'il sert à éduquer ses enfants, s'il sert à ce qu'on se grandisse l'âme, c'est-à-dire qu'on se nourrisse de choses. Oui, l'argent contribue au bonheur quand on va au cinéma, quand on va au théâtre, quand on achète des livres, mais il ne l'est pas quand on est dans cette espèce de collection de biens matériels qui finit par être totalement vaine. Et pour ça, on va conclure avec Aristote qui disait dans le chapitre 7 de l'Éthique à Nicomaque que les plaisirs ne sont pas mauvais. Le plaisir est bien, même si l'homme modéré ne sait pas bien accéder au plaisir, sauf ceux qui amènent la peine et l'appétit. Et évidemment, l'argent est un plaisir qui amène peine et appétit. Bien sûr. Merci Sonia. Voilà. L'argent, c'est quelque chose qui, chez vous, est... relativement important, pas du tout. Quel est votre rapport à l'argent généralement? Mais sincèrement, je crois que tant qu'on n'individualise pas l'argent, tant qu'on n'humanise pas de l'argent, il n'y a rien qui coule dans un billet vert. Enfin, en tout cas, un billet américain, c'est un billet vert. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de chair, il n'y a rien. Alors tant qu'on le voit comme une chose et pas comme l'essence même de notre vie, je pense que ça se passe bien. C'est quelque chose de nécessaire, d'indispensable à certains moments. Surtout dans mon métier, quand on veut rester producteur de certaines choses, quand on veut avoir un certain contrôle sur ce qu'on fait, l'argent, à ce moment-là, devient une clé indispensable. Mais ça ne peut pas l'être. C'est une clé de liberté dans ces cas-là aussi. Dans ces cas-là, complètement. Mais ça ne peut pas l'être au sein d'une famille, entre des gens, dans une amitié ou à travers l'amour, enfin, ça pourrait pas. Moi, je ne le vois pas comme ça, en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces... Ça...
Je sais pas, ça permet de se soulager un peu. Ah, si seulement on pouvait, deux secondes, revenir à la phrase de Stéphane Zweig qui a dit « Le chemin est ton but » et c'est ça. Ouais. Faire un petit chemin de philo comme ça, ce serait merveilleux. La semaine prochaine, la vérité. La vérité. Oula, d'accord. Oui, parce que je trouve qu'il est temps de parler de vérité et de vérité d'expression. À la semaine prochaine. Oui, bah écoute, on verra si toutes les vérités sont bonnes. Et... Voilà, absolument. Exactement. Je ne suis pas sûr nécessairement. Moi non plus. Bon, on va voir pas ça. Hein. Rémi Castillo, rapport. Oui, est-ce que vous allez me dire la vérité sur les instruments que vous nous avez apportés ce matin? Écoute, je t'ai amené pas mal de produits. Et tout d'abord, je voudrais préciser quelque chose. Je suis ravi que Lara soit là pour cette première rubrique de la saison parce que Lara sera en quelque sorte la marraine de cette rubrique vie quotidienne des années 2000, parce Marraine que Lara, Rémi Castillo. Sur son, presque, sur son album, Les Amoureux de l'an 2000, il y a une chanson qui s'appelle effectivement Les Amoureux de l'an 2000. Alors je vais, avant de vous préciser différents produits, vous parler d'un moyen de transport qui est en perpétuelle évolution. Il y a actuellement 8 à 10 millions de pratiquants de VTT, vélo tout terrain. Cet été, il y a eu des émules un peu partout en France, et il y a un problème, c'est le moyen de locomotion. C'est-à-dire qu'on sait évidemment qu'en VTT, on aime dévaler les pentes. En revanche, on ne sait pas encore comment monter. Il n'y a que les télésièges. Eh bien, ça y est, nous avons trouvé les moyens de transport de l'an 2000 pour faire une ascension des pentes montagneuses. Et je me suis justement rendu là-bas sur le terrain. Tu t'y es frotté? Oui, et j'ai testé. Ah bah écoutez, on va suivre ça sur la piste castillane. Bienvenue donc à Risoul, une merveilleuse station située dans les Alpes du Sud, entre Gap et Briançon, une station qui mérite le coup d'œil à plus d'un titre, et notamment si vous êtes un accro du VTT mordu de ce sport, de cette discipline, vous allez découvrir votre moyen de transport dans les années 2000. Il s'agit d'un remonte-pente en VTT. Voici donc Jean-Luc Monteil, l'inventeur de ce procédé. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Expliquez-nous alors comment ça marche. Ben, le système est très simple. Mm-hmm. Il suffit simplement d'enclencher ici dans la mâchoire donc la sellette. D'accord, cet endroit précis. Du téléski, tout mm-hmm. à fait. De maintenir la poignée que vous avez sur votre droite, celle-ci, qui permet de bloquer la mâchoire. Parfait. Et une fois arrivé en haut de la piste, vous lâchez la poignée et puis tout simplement vous allez vous faire la balade de votre choix. D'accord. Ce n'est pas dangereux, ouvert à tous les publics? Tout à fait, c'est pas dangereux du tout. Mm-hmm. Aujourd'hui nous avons un agrément national pour commercialiser ce produit pour des enfants qui ont déjà plus de 10 ans. Au moins 10 ans. D'accord. Tout à fait. Et on pourra utiliser ça dans son transport où exactement? Alors vous allez tester actuellement à Risoul, hein, je crois. C'est exactement, ça vous allez pouvoir l'utiliser tout de suite. Au niveau national, dès l'année prochaine. Très bien. On se lance? On se lance, allons-y. Merci. Donc j'appuie sur la poignée. La sellette. Donc c'est parti, le moyen de transport en VTT des années 2000. On essaye. Wouhou! Ça promet. Oula, ça tient un peu, hein? Pas forcément évident. Pas forcément facile. Encore besoin d'un peu d'entraînement, je pense. Oui, Rémi, je te le confirme. Aïe, aïe, aïe. Pas facile, hein? Pas facile pour ce qui est de la première. En revanche, une fois que tu as pris le coup, après, ça fonctionne bien. Le VTT dans les Laurentides, vous en faites un peu ou pas? Non, pas vraiment. Je me vois en VTT. Je me plante et tout, le plâtre à la télé le lendemain. À coup, me faire renvoyer mon contrat par mon manager. Oh, alors, roller au Mont-Royal. Oui, voilà, ça c'est plus sympa. Oui, mais alors, avec casque et tout, on a l'air d'un cosmonaute. Mais ce que j'allais dire, c'est bien. Une créature rencontre du troisième type, en fait. Alors, pour conclure, quelque chose qui est un peu moins dangereux que le VTT, c'est ce petit appareil. Un petit appareil là, le voici, le voilà. Non, c'est une télécommande, Rémi. C'est... On appelle ça une télécommande. Non, c'est pas vraiment une télécommande, c'est un agenda vocal, Olivier. Non, alors, bon. Je vais l'allumer et tu vas entendre. Dis-moi. Olivier Mine. Et après? Tu l'entends? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça t'a composé le numéro de téléphone. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ceci. Alors, parce que si mon numéro voilà, qui s'est affiché. Ceci... Non, ce n'est pas le bon. C'est celui de France 2. Le fan club a appelé. Donc ceci est l'agenda vocal révolutionnaire de l'an 2000. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'à partir de maintenant et de désormais, tu n'as plus besoin de composer le numéro de téléphone. C'est-à-dire que tu es à ton bureau tranquillement, tu as le téléphone d'un côté, et plutôt que de composer sur les touches, tu fais Olivier Mine. Il te répète, tu vois le téléphone s'afficher, et ensuite et je mets tu ça deux sous fois. Le bras. Non, pas oui. Sous le bras, mais sur le téléphone évidemment. Voilà. Alors, sur le téléphone. Absolument. Et ce sont les fréquences vocales qui vont directement t'amener à Olivier. Oui. Alors voilà. Encore une fois, je reviens un peu à ma chanson. Où est l'intérêt quand de toute façon, ça prend le même temps de faire Olivier Mine et de le mettre sur le. Que quand on le connaît par cœur et de bien le composer. Il faut le connaître par cœur. Et là, il y a quand même 300 mémoires. Oui, c'est donc vrai. C'est toujours c'est intéressant. Vrai. Et puis lorsqu'on est en voiture, dans un avenir proche, ce sera intégré au mobile. Ah non, ça c'est génial. Et pour les personnes non-voyantes, évidemment, c'est aussi intéressant. Ah, mais bien sûr. Très. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Rémi, pour toutes ces petites choses bien ingénieuses. Merci à Lara Fabian Merci. D'avoir été avec nous. Bon vent.
les 5 lettres pour la suite. Et à mon avis, c'est bien parti hein, maintenant. Alors je ne dis pas merci parce que ça. Ah non, non, il ne faut surtout pas, voilà. Oui. Ah oui, non, ça annule les 5 lettres que je viens de vous souhaiter. Non, surtout non. Surtout pas. Je rappelle que Lara Fabian vous donne rendez-vous avec son album Pur. Et puis, que de plus, j'ai cru comprendre qu'un album en anglais était en préparation. Oui, hein, oui un bientôt. Album en anglais, puis quelques spectacles en France aussi. Et puis quelques spectacles voilà. En France, tout ça, c'est sur notre Minitel, le 3615, Code France 2, rubrique Les Beaux Matins. Merci à Rémi, merci à Olivier. Demain, nous aurons Pierre Janssen avec nous, Maria Callas, nous évoquerons sa mémoire. Ce sera le thème de la journée de mardi. Et puis Christophe Malavoie nous parlera d'un homme idéal. Je ne sais pas pourquoi il parle de lui, puisque c'est moi. Allez, à demain. Et puis ils sont trois en plus. Oui, en plus.